Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour la première des quatre soirées de l'ADN Dance Living Lab, un format inédit pensé par l'ADN en collaboration avec le 104 Paris. Alors nous aurions dû vous recevoir au 104 ce soir pour découvrir la création de notre premier des quatre binômes d'artistes et de chercheurs que nous avons réunis pour l'ADN Dance Living Lab. Mais puisque ce n'est pas possible, eh bien, nous avons fait évoluer ce format et nous faisons venir la création à vous. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui jusqu'à 19h45 en compagnie de Rocio Béranguet, metteuse en scène, chorégraphe, en compagnie également de Laurent de Sutter, qui est philosophe, et de Maxime Fleuriot, directeur artistique de l'ADN Dance Living Lab. La soirée va se dérouler en 5 temps. Tout d'abord, une brève introduction, donc que je suis en train de faire dès à présent. Ensuite, on va passer sur un temps d'échange entre Rocio Béranguet et Laurent de Sutter avant de diffuser le film qui est donc né de la collaboration, de la discussion entre ces deux artistes. Puis, nous aurons un petit temps de réaction, puisque Laurent de Sutter va découvrir le film, il ne l'a pas encore vu. Et enfin, nous vous ouvrirons la partie questions et réponses. Et d'ailleurs, je vous invite dès à présent à commenter, à interagir, à noter vos questions dans l'onglet « Questions » qui se trouve à droite de votre écran. Vous pourrez voter pour celles qui sont les plus pertinentes. Donc, je vous invite vraiment dès à présent à réagir et à interagir. Je vais rapidement et brièvement rappeler qui est l'ADN. Nous sommes un média, nous racontons les signaux faibles, les tendances, les grandes idées qui façonnent notre époque, tous les jours sur le web et tous les trimestres en format revue. Notre mission éditoriale, c'est de faire vivre et de faire naître des conversations qui sont porteuses de changements en vous faisant aller à la rencontre de celles et ceux qui incarnent le mieux cette grande époque de bouleversement que nous vivons collectivement. Alors, avec l'ADN Dance Living Lab, nous avons voulu poser une question. Comment est-ce que la danse peut nous permettre de porter un regard décalé, un regard singulier sur notre époque et sur certains des grands enjeux qui la traversent? Tout de suite, pour en parler, je vais accueillir Maxime Fleuriot, qui est directeur artistique de l'ADN Dance Living Lab. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Nastasia. Bonsoir à tous. Tu vas donc nous parler de ce format de création inédit, cet espace de création qui est donc né de la rencontre entre l'ADN et le 104. Raconte-nous un petit peu ce projet, sa naissance et surtout son ambition artistique. L'ADN avait pour ambition de raconter différemment les enjeux de l'époque, les grandes idées qui sont traitées par le média. Et quand j'en ai parlé avec Adrien de Blanzy, son président, il a tout de suite pensé au spectacle vivant comme manière de faire passer ses idées, de les transmettre, de les réfléchir autrement, en touchant plutôt le registre des émotions, ce que les neuroscientifiques appellent le cerveau droit. Enfin. Et donc, c'est pour ça qu'on a cherché à rapprocher des chercheurs et des artistes et initier des dialogues. On a donc pensé à quatre binômes, entre un chercheur et un artiste à chaque fois. Alors, un danseur le plus souvent, mais pas que. On est aussi allé chercher des gens de théâtre. On a volontairement choisi des artistes assez différents que vous allez découvrir tout ce mois de novembre et jusqu'au début décembre. Et on les a mis en relation. On a donc initié ces dialogues. Et ensuite, on a donné comme règle du jeu pour chaque binôme. Sur la base de ce dialogue, on a demandé à l'artiste en fait, d'inventer une petite forme scénique. Alors, comme tu as rappelé en introduction, on n'a pas pu finalement présenter ces formes au 104. On a dû réinventer un peu les choses à la faveur des conditions qu'on traverse aujourd'hui. On a demandé donc aux artistes d'inventer plutôt des petits films. Voilà. Donc, c'est ces quatre films que vous allez découvrir jusqu'au 3 décembre.
L'intérêt de ce format pour nous, c'est vraiment de faire se rencontrer des mondes qui ne se connaissent pas forcément. Aujourd'hui, on est dans une société où les savoirs sont souvent assez cloisonnés. Et là, l'idée, c'est vraiment de permettre de décloisonner, de faire circuler les idées et de les faire circuler aussi vers vous en direction du public. Merci Maxime. Donc, on aura l'occasion de te retrouver. Tu vas réagir donc à l'issue de la diffusion du film tout à l'heure. Donc, je te dis à tout à l'heure. Je vais maintenant, sans plus tarder, introduire le premier des binômes que nous accueillons ce soir, donc en commençant par Rocio Béranguet. Donc Rocio, tu es metteuse en scène, tu es chorégraphe. Le quotidien Le Monde dit de toi que tu es une chorégraphe de l'après-anthropocène, une expression qui fait référence à ta création G5, un spectacle donc, que tu as conçu, réalisé, et dans lequel tu convoquais une rencontre au sommet entre les représentants de l'espèce humaine, mais aussi les représentants des mondes non humains, donc le règne du végétal, du minéral, mais aussi de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était pour ton spectacle G5, qui est une création qu'on pouvait voir l'année dernière. Tu as démarré ta carrière comme comédienne dans une série populaire catalane, et en plus de tout cela, tu développes une pratique d'écriture qui vient interroger des aspects qui sont propres à notre époque, donc que ce soit les relations aux nouvelles technologies, les questionnements identitaires, ou bien encore le rapport au vivant. Tu vas donc nous présenter ce soir un film qui est issu de ta rencontre et de ta conversation avec Laurent de Sutter. Et donc, on te retrouve tout à l'heure pour la partie échange. Laurent de Sutter, bonsoir. Vous êtes, pour vous, philosophe. Vous enseignez également la théorie du droit à Bruxelles. Vous avez été par le passé journaliste et chroniqueur. Et vous êtes aujourd'hui directeur de collection pour une vénérable maison française qu'est les Presses universitaires de France, mais également pour une plus petite maison indépendante londonienne qui s'appelle Polity Press. Et on vous doit la publication d'auteurs et d'autrices qui marquent la pensée contemporaine. Donc, je pense notamment à Chloé Delhomme, Pacôme Thielman ou bien la britannique Hélène Esther, mais aussi des penseurs un petit peu plus installés comme Slavoj Žižek ou encore Alain Badiou. Alors, Laurent de Sutter, vous êtes auteur vous-même et vous venez de consacrer un essai à l'époque d'indignation généralisée que nous vivons, une ère du clash dans laquelle la conversation se transforme volontiers en anathème, et où les réseaux sociaux se font la caisse de résonance de nos petites croisades individuelles quotidiennes. Alors, vous parlez d'un réflexe d'indignation. De quoi ce réflexe est-il le symptôme ? Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content de participer à cette expérience et je suis très, très content aussi de la conversation, des conversations nombreuses et riches qu'on a eues avec Rocio Béranguet. Et donc, je suis très curieux de voir... comment ces conversations se seront métabolisées dans un objet. Mais pour répondre à votre question, en fait, je suis comme tout le monde, je crois. C'est-à-dire l'indignation, le scandale fait partie aujourd'hui de notre vie quotidienne au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire du matin au soir. Effectivement, nous sommes emportés dans des flux qui sont des flux de scandales, que ce soit les scandales des autres ou bien les scandales que nous éprouvons nous-mêmes. Je veux dire... du moment où on allume notre téléphone portable le matin jusqu'en effet le moment où on éteint l'ordinateur le soir ou inversement, effectivement, c'est scandale sur scandale, énervement sur énervement, agacement sur agacement, qui se poursuit tout au long de la journée, qui crée un climat psychopolitique, au fond, qui est un climat d'irritation extrême. Alors ça, c'est évidemment très banal, c'est un constat que précisément tout le monde fait. Et moi, face à ce constat ou face à cette évidence, cette omniprésence du scandale, j'ai voulu poser un geste qui était un geste qui précisément faisait un pas ou pouvait se présenter comme un pas de retrait par rapport à, disons, la dynamique que cette psychopolitique du scandale installe, qui est une dynamique dans laquelle le scandale implique ensuite, enfin cette ère du scandale, l'ère du clash, pour citer effectivement le titre de Christian Salmon que vous citiez tout à l'heure, que j'aime pas trop d'ailleurs, mais enfin bon, c'est une autre affaire. Le premier réflexe de l'intellectuel de base par rapport à cette situation, ou même de l'intellectuel improvisé assis à un bar de café, plus ou moins confiné aujourd'hui, c'est évidemment un réflexe de dénonciation de la dénonciation. On se retrouve pris dans une espèce de spirale où le scandale devient quelque chose qui fait scandale parce que précisément il fait scandale, donc il faudrait sortir de l'âge du scandale, ou au contraire valider le scandale comme étant, comment dirais-je, l'expression de quelque chose d'important et qui doit donc être respecté en tant que tel. Moi, j'ai pas voulu porter de jugement sur cette
ce moment que nous sommes en train de traverser et sur cette expérience que nous faisons tous, moi, j'ai voulu m'interroger sur le comment. C'est-à-dire comment ça fonctionne un scandale et sur quoi ça repose, cette indignation, sur quoi elle repose et sur quoi elle repose du point de vue véritablement de la pensée. Qu'est-ce qu'elle vient pointer dans notre équipement intellectuel, l'équipement qu'on a tous et qui fait que nous regardons le monde d'une manière plutôt que d'une autre et que nous, au fond, nous jugeons le monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui fait qu'il y a dans cet équipement intellectuel quelque chose qui accompagne d'une certaine manière ce scandale et qui en forme la logique sous-jacente, une logique qui, si on la comprend de manière forte et précise, permettrait peut-être eh bien, d'ouvrir à une autre voie. Et l'hypothèse que je propose, c'est une hypothèse qui peut paraître peut-être un peu contre-intuitive ou un peu paradoxale, qui est celle de dire qu'au fond, l'indignation et le scandale que nous voyons tous les jours, non seulement dans les réseaux sociaux, dans les grands médias traditionnels, dans les journaux et magazines, voilà, et même dans les conversations effectivement de café ou les dîners en ville, au fond, ce scandale que nous voyons se déployer, c'est tout l'inverse de ce que l'on en dit d'habitude, à savoir le moment d'une explosion de passion et l'inscription de l'espace de la public de la discussion dans un lieu, disons, de l'irrationalité débridée, mais c'est exactement le contraire. Je crois que la prolifération, disons, de l'indignation dans notre monde témoigne d'un succès devenu malade, démesuré et délirant de la raison. C'est-à-dire, nous vivons un âge de la raison qui manifeste, quelque part, la dimension délirante qui l'a toujours accompagnée, ou en tout cas qui l'a accompagnée depuis la grande révolution critique de la modernité. Voilà, ça c'est ce que j'essaye de dire dans Indignation Totale, que j'essaie de dire dans ce livre. Et si j'ai bien compris, vous essayez également de mettre en avant cette idée que nos indignations en ligne sont finalement, à certains égards, des formes de gesticulation, souvent un peu vaines, qui viendraient masquer notre peu d'engagement politique en ligne. Pas en ligne justement, notre peu d'engagement politique dans le réel, dans le quotidien. Rocio, j'aimerais te faire réagir un petit peu sur cette idée. Est-ce que c'est une idée que tu partages? Est-ce que tu partages ce constat, cette impression de vivre dans une ère saturée par le clash? Eh ben, bonsoir et merci de m'avoir invité aussi. De ce que j'ai extrait de la lecture de Laurent de Sutter, moi, ce que je trouve que qui est intéressant, c'est cette espèce de boucle fermée de la raison qui cherche à avoir raison et à s'autocomplaire, en fait. Ou cette validation, en fait. C'est-à-dire, ah oui, ça, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Et du coup, t'as beaucoup de gens qui disent, c'est pas bien comme toi. Et là, t'as une espèce de soulagement dans lequel t'as presque l'impression que t'as rien plus à faire. Donc, c'est résolu presque. Même si t'as pas résolu, c'est juste par le fait de valider une opinion par le retour de médias et tout ça, ou des likes, ou de quelque chose. C'est comme si la question était palliée, quelque part. Et du coup, ça m'a beaucoup fait penser à la question de comment... moi, je glisse un peu, je ne sais pas si j'ai droit, mais je glisse entre la raison et la rationalité. C'est que ce n'est pas la même chose, mais pour moi, il y a un lien comme ça qui se fait, dans lequel je pense aussi qu'il y a une approche... dans lesquelles la rationalité, parfois, elle a aussi ce même cycle vicieux et des connexions un peu du corps ou des entrailles ou de la colère, que c'est différent à l'indignation. Parce qu'il y a une chose que j'avais répondu à Laurent, c'est que déjà, pour être indigné, il faut être digne. Donc, il faut avoir la dignité ou quelqu'un te l'a donné, que tu l'as appris. Et on a parlé de ça, c'était intéressant. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui a la dignité, déjà. Voilà. Il faut s'indigner. Mais par contre, la colère, c'est comme une autre étape. C'est une étape dans laquelle ça passe à l'action, ça prend le corps et ça dépasse la question purement rationnelle, purement... ça sort de la boucle. Et dans le travail que j'ai exploré, qu'on va découvrir après, bah, j'essaie peut-être qu'on ne va pas voir clairement, mais dans le projet, comme il est en train de se construire, en tout cas, il y a cette idée de quoi faire avec ces colères d'autres, que ce ne soit pas uniquement la réaction, ne pas justement réagir, ou quel type de pensée ou d'action on peut construire, que ce ne soit pas juste réagir à un phénomène qui nous met en colère ou qui nous indigne de l'actualité, mais comment on est en train de plutôt, plus que valider
une pensée par le feedback, plutôt en train de co-construire, proposer ou essayer d'explorer des idées, des pensées, des gestes qui pourraient avoir du sens et construire une autre réalité alternative à celle qui on n'aime pas ou qui on n'est pas d'accord. Voilà. Bah, je vous propose d'enchaîner. Du coup, Rocio, je vais te reposer une question. Du coup, toi, suite à cette discussion, suite à la réflexion qui a été entamée donc, par Laurent dans son essai Indignation sociale, tu as commencé une recherche formelle, une recherche sur le mouvement. Tu viens d'en parler, sur ce que pourrait être finalement une nouvelle manière de danser la liberté, de danser l'insoumission. Et pour cela, tu puises dans un répertoire que tu connais, que tu as déjà mobilisé dans ton spectacle G5, hein, dont je parlais en introduction. Ce répertoire, c'est celui du vivant. Le vivant qui est le lieu du sauvage, hein, un lieu où, où cette insubordination, cette insoumission est née parfois de manière complètement accidentelle. Ça, c'est d'ailleurs une idée qu'on va retrouver chez l'anthropologue américaine Annette Singh, hein, qui en parle notamment dans son livre « Le champignon de la fin du monde », cette notion d'accident finalement et d'alliance inattendue. Est-ce que tu peux nous parler justement de toi, cette recherche que tu mènes, ces formes de résistance comme ça un peu accidentelles que tu as cherché à illustrer? Ok. Ben en fait, c'est après le confinement, je me suis trouvée toute seule dans le studio à reprendre le travail et je ne pouvais pas reprendre du même endroit, je ne pouvais pas reprendre avec toute la programmation des mois sur mon corps qui venait d'écouler. Il fallait que je trouve un nouveau espace où me reprogrammer complètement ou créer un espace que je n'avais pas plus senti depuis des mois, donc un espace de liberté. Et comment moi, toute seule dans un studio, j'arrive à créer un espace de liberté, donc à le produire, à le chercher, à le et finalement, je me suis dit que la liberté, c'est aussi surtout un muscle comme n'importe quel autre, et que du coup, il faut l'exercer, il faut faire des exercices, il faut faire des entraînements de liberté, des étirements de liberté, voilà, il faut le travailler, ce muscle. Et donc j'ai commencé à me faire comme une espèce de rituel, ou chercher des rituels dans lesquels je pouvais retrouver cette liberté pour trouver un espace dans lequel je puisse construire une pensée, mais que la base de cette pensée, elle est de cet espace un peu plus libre, un peu plus sauvage, pour pouvoir penser autre chose, ou autrement, ou désirer autrement, ou construire autrement. Parce que sinon, je trouvais que la base sur laquelle mon corps, la mémoire de mon corps avait passé les derniers mois, qui avait beaucoup de peur, de contraintes, de soumission, d'obéissance, de perte des repères, de beaucoup de choses comme ça, n'était pas une base dans laquelle je pouvais construire une autre proposition, quelque chose. Et donc, j'ai cherché des rituels. Et donc, un des rituels, bah, j'ai beaucoup aimé dans le livre de Laurent de Sauterre, à la fin, qu'il propose faire disjoncter la raison. Et dans cette partie de faire disjoncter la raison, il propose point 1, point 2, point 3. Et dans ces points, je les ai pris un peu comme si c'était un exercice. OK, point 1, comment faire disjoncter la raison? Et le traduire comme un exercice, comme quand on fait des exercices de training, de danse, quoi. Mais avec le corps, avec l'esprit en entier, quoi. Et je trouve que... Bon, je suis dans une recherche dans ce moment de vraiment quels sont les espaces de liberté ou quels sont les espaces un peu sauvages et pas destructifs ou constructifs, pas destructifs ou un peu calqués sur une image d'une époque dans laquelle tel geste ou telle attitude ou tel rituel de faire la fête ou de faire ça ou faire ça, ça a un sens de ça, mais plutôt de le retrouver dans les quotidiens, dans les trucs très banals ou très petits. Et comment construire chaque jour un petit rituel dans lequel l'espace de liberté à partir de lequel la pensée s'est construite, il s'élargit, il se nourrit comme un jardin, quoi, comme un paysage qui s'étale pour que l'horizon de la pensée ne soit pas... Ouais, je sais pas, je m'explique. C'était tout à fait clair. Laurent, puisque vous êtes de retour, j'aimerais vous faire réagir sur cette idée de faire disjoncter la raison. Vous écrivez dans votre essai « L'âge du scandale et l'âge du triomphe de la raison ». Pour en finir avec le premier, il faut se débarrasser de la seconde. Justement, quel est votre mode d'emploi?
Évidemment, voilà. À la place de faire disjoncter la raison, je suis en train de faire disjoncter la conversation. Bravo. Non, j'étais en train de dire que j'avais une mauvaise nouvelle pour vous, qui était que ça allait... c'est évidemment quelque chose de très très compliqué parce que l'appareillage de la rationalité ou l'appareillage de la raison, appelez ça comme vous voulez, qu'on a hérité de la modernité, qu'on a en particulier hérité de la modernité critique, c'est-à-dire de ce moment très particulier à la fin du XVIIIe siècle où se crée sous ce nom comme ça un peu majestueux et impressionnant qui est le nom de Emmanuel Kant, l'entièreté du dispositif qui instaure chez le sujet humain qui regarde la réalité sa capacité à pouvoir juger de cette réalité comme s'il en était extérieur et comme s'il en était supérieur, c'est-à-dire au sens où la réalité elle ne réagit jamais à nos jugements. Hein, quand on traite, quand on déclare ne pas aimer un film ou quand on traite un politicien qu'on voit à la télévision de connard ou que sais-je, il y a assez peu de chances que les choses se mettent à vous répondre et à se défendre. Et donc effectivement, il y a une position comme ça qui est créée à la fin du XVIIIe siècle dans les sujets pensants, qui est une position toute puissance et qu'on appelle raison, qu'on appelle rationalité, quoi, parce que c'est effectivement la raison, la rationalité documente, équipe, rend possible ces jugements et cette position de jugement. Et j'ai l'impression que c'est en effet de cela dont il est question, puisque la raison, de ce point de vue-là, a toujours besoin de se trouver des raisons. C'est-à-dire la raison procède toujours par forme de légitimation ou de légitimité. Elle se cherche effectivement des raisons pour trancher, pour juger comme elle le fait. Or, c'est précisément cela qu'on voit dans les indignations qui sont les nôtres. Contrairement à ce que l'on raconte très souvent quand on présente les formes contemporaines d'indignation comme des choses qui explosent comme ça de nulle part et puis qui ensuite disparaissent. Moi, ce que j'observe, c'est qu'au contraire, ce sont des formes extrêmement documentées. Quand vous voyez deux personnes se crêper le chignon sur Twitter ou bien sur Facebook, c'est évidemment à coup d'abord de phrases, à coup de langage, à coup de l'acceptation du fait que c'est le langage qui sert effectivement à faire fonctionner l'espace de discussion à l'intérieur duquel l'indignation a lieu et l'échange a lieu ou le scandale a lieu. Mais au-delà simplement de l'acceptation des règles élémentaires de la discussion, il y a tout un processus de documentation des indignations qui est absolument prodigieux à observer. Il y a toujours un lien que l'on va chercher, il y a toujours un texte qu'on a trouvé sur Internet, il y a toujours un expert dont on a entendu à la radio ou ailleurs, ou bien dont on croit se souvenir d'une certaine manière des idées et des conclusions. Et en fait, les indignations qui sont les nôtres aujourd'hui sont des indignations qui sont véritablement encyclopédiques. Elle se présente comme disposée, armée d'un savoir qui est un savoir prodigieux. Après, évidemment, on se crêpe le chignon sur la question de savoir si c'est un savoir pertinent ou pas pertinent, etc. Mais enfin, la question est véritablement celle-là, celle du savoir et celle de la légitimité du savoir et celle de la garantie que cette légitimité du savoir peut nous offrir pour pouvoir juger de manière juste. Et ça, c'est véritablement, d'une certaine manière, la définition de la question de la raison. Ou la définition de la raison, disons, moderne, ou de la raison critique, ce qu'on appelle la raison critique. Alors, c'est vrai que moi, j'ai envie qu'on se débarrasse de cette affaire, parce que, contrairement à ce que, là aussi, à ce qu'on raconte, cette raison, on s'en rend compte aujourd'hui qu'en fait, elle ne nous rend pas beaucoup plus intelligents qu'avant, quoi. Elle ne nous rend pas beaucoup plus intelligents que la raison dogmatique, d'une certaine manière, que Kant avait en vue quand il voulait mettre en place la raison critique comme remède à la raison, à ce qu'il appelait la raison dogmatique. Donc moi, ce que j'en appelle, c'est à la possibilité d'une forme de pensée qui soit une forme de pensée qui ne soit pas basée sur des légitimations, des raisons données à ce que l'on fait, sur des garanties qui permettraient d'asseoir de manière finale nos positions et d'asseoir la vérité de ce que l'on raconte, mais véritablement une forme de raison, de rationalité, je ne sais pas très bien si il faut conserver le mot, mais qui fonctionnerait de manière expérimentale, c'est-à-dire en se posant non pas à la question du « si, alors », mais la question plutôt plus ouverte, qui est la question du « et si on prenait cette décision-là, et si on explorait cette dimension-là, et si on se posait la question de tel récit ou de telle forme de narration possible par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qui peut se passer ?» Donc j'en appelle d'une certaine manière, dans ce livre, à une disjonction effectivement de la raison, qui est une disjonction qui laisse de côté sa dimension dérisoire est devenue délirante de garantie au profit d'une manière d'embrasser, si vous voulez, l'abîme de ce qui vient, de l'accompagner sous une forme qui est véritablement la forme d'une expérience ou mieux encore d'une expérimentation dont par hypothèse on ne connaît pas la fin et dont par hypothèse aussi on ne peut jamais se prétendre supérieur, mais une hypothèse
que l'on doit affronter dans une situation d'égalité. Voilà, donc j'en appelle à une forme de un abandon comme ça de la position de supériorité qui est la nôtre quand nous jugeons ce qui se passe, en ce compris la beauté ou pas la beauté de ma bibliothèque, puisque j'ai vu que certains effectivement jugeaient sur les dans le chat. Bon, en fait, on s'en fout. La véritable question, c'est qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Donc une raison expérimentale qui est une raison en fait pragmatique. Voilà, un pragmatisme au sens du pragmatisme américain, au sens d'un art des conséquences davantage que d'une police des causes. Alors, vous parliez de proposition expérimentale, c'est précisément ce que nous a produit Rocio Béranger à partir de toute cette réflexion. Donc, je vous propose dès à présent de regarder le film qu'elle a pensé, réalisé. Ce film s'appelle Pauline Hills, il va durer 7 minutes. On va se retrouver à l'issue des 7 minutes. Et je précise également que les artistes qui ont collaboré à ce projet et qui incarnent les personnages que vous verrez à l'écran sont le danseur et chorégraphe Patrick Kuo et la comédienne Aini Wang. Je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve tout de suite après. Yep. Salut. Allô. Salut. Ça prend là? J'ai l'impression que ça enregistre, mais je sais pas où. Ah, on est là. Et on est là. Ouais. Bip, 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 bip. Ça connecte. Yes. Salut. Et on est là. Voilà. Voilà les Bad Wits. En real time de Paris, depuis l'annulation de notre concert au 104. Pas de concert, mais nous, on était prêts pour l'envoyer de lourdes, là. Ouais, vous pouvez pas être là avec nous et c'est chaud, ouais. Mais on peut déjà faire quelque chose, on peut vous faire un morceau ou deux, ou si vous avez des questions, chatter un peu. Salut Chardon, ouais ça va, ils sont tous là, putain. Hey salut, check check, ouais. Putain, laisse-moi un cœur, salut. Eh ouais, yes, salut, quoi. Putain, il y a le monde, salut, wesh. Ils sont tous là. Putain, trop cool. Qu'est-ce qu'il dit, là? C'est le bordel. Bah ouais, ce bordel. Plus de saisons, on ne sait plus quand il faut hiberner. Retenir de l'eau, quand étaler les feuilles. On sait plus si faire pousser les jeunes pousses, si faire tomber les feuilles, on sait plus. On est paumé, là. Plus de cadre, des saisons, là. C'est pour ça que nous, on a décidé. On a choisi. Printemps. Ah ouais. Tant que personne ne sait ce qui se passe, là, ce qu'il faut faire, si c'est l'hiver ou l'été. Franchement, personne ne sait. À un moment donné, faut faire des choix et trancher. Nous, on s'est dit printemps. Ah ouais. Alors printemps. Franchement, si on peut choisir, on choisit le printemps. C'est la peur qui fout de la mer. Toujours. Multiplier la puissance amour. Doubler, tripler, quadruple, je sais pas quoi. Plein et vide, plein et vide, plein et vide, plein surface. Se donner quoi, ce qu'on est, ce qu'on a. Faut remettre un corps du désir, là. Du sex-appeal au réel, du printemps. Après l'hiver, faut du printemps. Avant l'hiver, il faut du printemps. Même en hiver, il faut du printemps. À un moment donné, se donner. Si on veut gagner la bataille, faut aimer plus fort, plus, encore, autrement. Désirer autrement, créer
Autrement, foutre le bordel, générer du chaos et encore plus de chaos, générer du désir. Désir, c'est du bordel et c'est du chaos, c'est la même chose, quoi. De toute façon, c'est la question de transformation, là. De se muter, la transformation, et ben, c'est la vie, quoi. Faut faire pousser du désir pour faire pousser la vie. Avec tout notre amour pour tous et pour ceux qui veulent et pour ceux qui veulent pas, bah, tant pis. Drop, Polynice. drop, 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 drop it all. Give it all. Drop, 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 drop it all. Will begin, give it all, even more. Drop, 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 drop it all. Give all your pollen to the wall. Give, 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 give another chunk of pollen away. It will make its own way. It will make its own way. Produce another million of love. Even more. Voilà, on vient de voir le film Polynice, réalisé, interprété, conçu par Rocio Béranger avec Patrick Kuo et Aini Wang. Laurent de Sutter, j'aimerais votre réaction à chaud. Quelle est votre réaction donc sur cette interprétation pop de votre idée de faire disjoncter la raison? J'adore, 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 j'adore que Nick Cave fait partie des gens qui causent dans le. Ah, moi aussi d'ailleurs, je fais Emmanuel un. Macron aussi. Emmanuel, ah, j'ai pas vu celui-là. Damned. Enfin, il y en avait deux, trois qui valaient leur pesant de cacahuètes quand même. J'ai trouvé ça très, très drôle et c'est très important en fait que ce soit très drôle. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que précisément cette affaire, vous savez, de raison, d'argumentation, d'indignation, d'équipement du scandale, c'est que la plupart du temps, il faut bien le dire, c'est quand même mortellement sérieux.
et un sérieux qui est parfaitement adéquat avec l'idée même de la raison ou de la rationalité, c'est-à-dire l'idée qu'il faut, voilà, il s'agit d'avoir raison, d'avoir raison en se donnant des raisons, il s'agit effectivement de s'installer dans un espace du monde où la vérité serait quelque chose de grave qu'il faudrait atteindre et effectivement respecter. Dans le mouvement de la comédie ou du comique ou le mouvement de la déconne, en l'occurrence, parce qu'il y a un côté, déconnant, d'ailleurs je me demande si le personnage ne le dit pas au début du film, parle de déconne, bon, il y a quelque chose de tout à fait différent qui a lieu. Il ne s'agit pas de garantir quoi que ce soit ou de solidifier quoi que ce soit, mais au contraire de faire filer. Et le mouvement de la transformation dont parle le chanteur dans le film, c'est aussi le mouvement de la comédie, en tant que la comédie est précisément recherche des conséquences de ce qui va se passer. La comédie, elle va vers l'avant. C'est la tragédie qui passe son temps à regarder en arrière et à se poser la question des raisons et des causes et des trucs qui doivent garantir d'une certaine manière la position dans laquelle on est, ou la merde en l'occurrence dans laquelle on est. Donc là, je trouve ça, effectivement, je trouve ça à la fois très drôle, très beau et très intelligent, quoi. Donc moi, ça m'a bien plu. Alors Rocio, c'est à ton tour maintenant de nous parler un petit peu de ce film avant que je passe la parole à Maxime qui nous donnera aussi son avis, sa réaction. Justement Rocio, que voit-on dans ce film? Qui sont les personnages, ce groupe de bad weeds? Parle-nous un petit peu de ce choix esthétique que tu as fait d'avoir une esthétique très pop comme ça. Pourquoi ce choix d'ailleurs? Ouais, donc l'idée c'est que The Bad Weeds, c'est les mauvaises herbes, c'est un groupe de hip-hop pop très connu, parce qu'il y a même Macron qui arrive à commenter leur live, et qui essaye comme ça de donner un peu leur message, pas comme un discours très construit, mais plutôt un peu plutôt du ressenti comme ça. Et donc, moi, ça me faisait déjà rigoler d'un côté, d'imaginer des chorégraphies qu'on s'est inspiré de Beyoncé et des trucs comme ça, de corps-objets très sexualisés comme ça, qu'il y a beaucoup dans le pop aujourd'hui, et même dans le hip-hop que j'aime beaucoup. Et le jouer avec quelque chose d'un peu amorphe, pas vraiment sexy, comme le fait d'être une touffe verte, comme une mauvaise herbe, quoi. De jouer un peu le contraste entre quelque chose de très pop sur des objets très identifiables, des identités très, comment dire, très nitides, des traits soit sexués, soit des genres, soit des couleurs de peau, soit des trucs qui sont très identifiables avec quelque chose qu'on met un gros flou dessus. Et on garde l'intention, les gestes et l'adresse. D'un autre côté, l'idée des mauvaises herbes, c'est justement cette recherche un peu d'une espèce de forme de résilience, de forme de résistance qui n'est pas construite dans un discours, mais plutôt par l'exemple d'une existence, quoi. Les mauvaises herbes parce qu'elles poussent des interstices, personne les arrose, elles n'ont rien à foutre de qui pense quoi sur elles. Elles sont là et elles coexistent avec un tas de choses et ils ont comme une espèce de force de vie. C'est la beauté de voir toujours dans un interstice d'un mur complètement creusé, comme ça un peu cassé, une plante qui sort de... Tu dis comment tu fais pour exister là-bas? Comment tu fais? Et cette beauté qui n'est pas discursive ou construite, mais plutôt l'exemple d'existence, quoi. Qui, pour moi, il y a quand même un parallèle sur... Souvent dans les hip-hop, les personnes qui... Dans le travail artistique, il y a aussi pour moi une espèce de nécessité de m'accrocher à cette énergie, de dire... on résiste, on y va, on continue, on y va, quoi. Il n'y a rien qui, même s'il fait moche, s'il n'y a pas de soleil, si on n'avait pas été arrosé, si machin, tant pis, on continue à pousser avec cet élan de juste la force de vie. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Parle-nous peut-être un petit peu également du texte qu'on entend au début. C'est toi qui l'as écrit, donc comment est-ce que ce texte s'intègre avec le reste du film? Oui. Donc, d'un côté, il y a la question du désir. Vraiment la question de produire du désir, parce que justement, dans cette recherche d'espace de liberté, il fallait créer un espace créatif aussi.
comment produire des nouvelles idées ou des nouveaux horizons, des nouvelles images, des nouveaux imaginaires. Et pour pouvoir produire ces nouveaux imaginaires, que ce ne soient pas des imaginaires un peu dystopiques ou un peu apocalyptiques, machin, il fallait avoir du désir, produire du désir. Créer un espace dans lequel le désir, et il y a une espèce de et joie et c'est pas juste la négation, le déni ou c'est vraiment de produire, peu importe la situation, peu importe le coin dans lequel on est, la capacité d'avoir de l'humour, de rigoler et de produire du désir. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aussi, que je reviens sur Laurent de Souter, qui dans son to-do list, comment faire disjoncter la raison, il y a un moment qui parle aussi de faire d'échouer et pratiquer l'exercice de l'échec, mais vraiment pratiquer l'exercice de l'échec. Et pas dans la quête de l'échec lui-même, mais plutôt dans une espèce de ne pas chercher la réussite par défaut, mais plutôt chercher à quelque chose qui nous permet de rebondir, d'aller. De générer le mouvement. C'est pour ça que le désir, on avait eu cette conversation la dernière fois qu'on a discuté, on a eu cette conversation, et c'est pour ça que je l'ai incrusté dans le texte à la fin ou au début. C'est parce qu'on parlait de la puissance de l'humour, et pourquoi c'était intéressant ce décalage du réel de l'humour, c'est que ça enlevait cette espèce d'absolutisme du réel, et qu'en fait c'était une espèce de lucidité, l'humour. Parce que ça faisait, en fait, on a une espèce de préconçu, on sait que quelqu'un, quand il marche, il va continuer à marcher normalement et ça va faire comme ça. Et on parlait de quelqu'un qui juste glisse et tombe. Et pourquoi ça nous fait rigoler? Parce que ça, en fait, ça nous disjoncte sur ce qu'on avait prévu que le réel allait se passer comme. Et c'est le moment dans lequel se dire, en fait, le réel à lequel j'y croyais, complètement collé en premier degré, il peut avoir un autre degré. C'est juste une probabilité, en fait. Ce n'est pas une vérité absolue. Il est très peu stable, en fait, comme réel. Et du coup, je trouvais très intéressant. Bon, peut-être que Laurent de Souter peut répondre mieux. Mais... En commentaire, Laurent, allez-y, je vous en prie. Non, c'est tout. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est l'idée qu'en fait, la réalité consensuelle, enfin ce qui fait les règles de nos échanges, au fond relève d'une immense fiction, quoi, et d'une immense fiction qu'on appelle effectivement réalité, mais qui se trouve fracturée de manière répétée par autre chose qu'on peut appeler le réel si on suit la distinction de Jacques Lacan entre réalité et réel, quoi, la réalité qui appartient à l'imaginaire et le réel qui appartient effectivement au réel et qui vient démontrer. D'une certaine manière, que ce que l'on tenait pour une réalité n'est en effet qu'une forme imaginaire. Et il y a effectivement quelque chose de ça dans l'humour et à mon avis aussi quelque chose comme ça qu'on trouve dans la manière dont Rossio l'a incarné dans des êtres qui sont des êtres informes, des êtres qui ne correspondent pas précisément aux figures de la grandeur, voilà, qui définissent la réalité dans laquelle on vit, quoi. Et il y a le côté aussi de que une mauvaise herbe, même si maintenant on l'a donné un autre nom, je pense, les mauvaises herbes, c'est toutes les herbes qu'on a considérées en dehors du jardin. Et donc, en dehors du cadre de ce qui est officiellement une plante volue. Une fleur volue. Et tout ce qui n'est pas là-dedans, dans ces cadres très étroits de là, c'est des mauvaises herbes. Et pour moi, il y a un parallèle aussi parfois avec comment on traite les existences, voire animales, voire humaines, souvent dans une ville ou dans un pays. Celles qui rentrent sont dans les cadres, sont dans le jardin, et tout cela qui ne sont pas du jardin. Avant de passer aux réactions du public, j'aimerais la réaction de Maxime Fleuriot, qui est directeur artistique du projet l'ADN Dance Living Lab. Maxime, toi, quel est ton regard sur ce qu'a proposé Rossio, sur la manière avec laquelle elle a matérialisé sa conversation avec Laurent de Souter? J'ai beaucoup aimé ce que Laurent a dit en introduction quand il parlait du SI comme une espèce d'espace de création, une invitation à créer finalement.
Et je trouve que ce que propose Rossio est vraiment une invitation à réveiller nos imaginaires. Pour moi, ça résonne à plusieurs endroits qui ont été déjà évoqués par Rossio, par Laurent. Mais à la fois, je trouve que dans la période qu'on traverse, où finalement il y a un tel effet de réel que nos imaginaires ont du mal à décoller. Et je trouve que la proposition de Rossio, elle réintroduit de la joie, du corps, du décalage, de l'humour. Elle nous permet justement un petit peu de décoller. Il y a cette chose-là. Et comme elle l'a dit elle-même, le fait de proposer d'être ensemble, en fait, juste de faire. Il y a trois personnages sur scène, enfin dans le film, qui sont ensemble et qui font. Voilà. Et puis il y a un autre décalage que je trouve savoureux, qui a été nommé, c'est qu'effectivement, Rossio s'inspire beaucoup des codes pop. Qui sont très présents dans nos vies, dans notre société de l'image, mais elle les détourne complètement, puisque à la fois elle retient certains éléments qu'elle a nommés, l'hypersexualisation, la frontalité, le rythme, et en même temps elle fait une proposition très hybride, très queer, qui invite très acceptante aussi pour toutes les formes de corporalité, de présentation de soi-même. Et ça, je trouve ça savoureux, c'est un vrai appel à la liberté, à la joie. Voilà, donc je trouve que c'est une proposition assez gonflée et puis assez inattendue aussi dans ce format-là. C'est le premier laboratoire ce soir. Voilà, on est tous un petit peu sérieux quand on fait ce genre d'exercice. Et là, tout d'un coup, on a une proposition un peu iconoclaste qui nous fait sourire et dans ce sourire, il y a une profondeur, il y a une vraie réflexion. Donc, je remercie vraiment Rossio de ce geste, d'autant plus qu'il s'agit vraiment d'un laboratoire auquel on a convié Laurent et Rossio. Donc, ce film a été imaginé en très très peu de temps. Et terminé juste avant l'émission. J'aimerais maintenant relever une question du public. Donc, il s'agit de Vanassé qui nous demande, et c'est pour toi, Rossio, pouvez-vous en dire un peu plus sur le processus de travail avec les interprètes? Quel équilibre raison-déraison, direction-liberté dans le travail artistique de l'équipe? Ah, intéressant. Voilà. Et bah, très concrètement, comme on a travaillé, en tant qu'auteur qui soutient un peu la vision d'un monde, d'un univers, j'ai porte un peu la direction de la cohérence du monde. Parce qu'il faut maintenir la cohérence d'un monde dans une vision. Et après, à niveau du travail avec donc Patrick Couault, on a beaucoup collaboré pour la chorégraphie. On a cherché des mouvements ensemble. Parfois, c'était eux qui proposaient, parfois moi. Avec Aini aussi, elle a proposé des pas qui venaient plutôt de sa culture, de ses gestes. Donc, on a mélangé nos corps et on a cherché ensemble qu'est-ce qui pouvait être percutant, pop, résistant, sensuel pour chacun de nous ou dans nos références pop. On s'est même regardé beaucoup de vidéoclips de Cardi B, de Beyoncé, tout cela pour voir, ah, on va choper ces mouvements-là. Et on a tous dit, ah, bah, ces mouvements, ils reviennent avec cet autre. Et comme une réécriture un peu de nos imaginaires pop sexuels. Une question maintenant, toujours du public, plutôt adressée à Laurent de Sutter. C'est Béatrice Sutter qui nous demande, est-ce que cette multiplication des indignations, des scandales, n'est pas aussi l'expression d'une soif d'échange? Il s'agirait alors moins de lutter contre ces scandales que d'apprendre à mieux les orienter pour en faire des opportunités de dialogue. Mais j'en suis absolument persuadé. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie de les, comme je l'ai dit au début, c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de les juger ou de prendre une position de surplomb par rapport à eux, mais d'interroger leur équipement et la manière dont l'équipement qui est le leur, en fait, nous produit par soi-même des effets qui sont des effets problématiques. Mais bien évidemment que si l'équipement est différent, des usages aussi différents sont possibles. Du reste, Rossio a dit tout à l'heure quelque chose de très important quand elle a fait une distinction entre l'indignation et la colère. L'indignation, c'est un processus qui est un processus
relativement circonscrit au fond. Il faut être précis quand on parle d'indignation et de ce que c'est et de ce que ça provoque pour éviter justement de mélanger trop de choses ensemble. Et c'est vrai que quand moi je parle d'indignation, je les pense comme ces espèces de choses en effet qui nous démangent, qui traversent nos existences, qui traversent nos existences en série. C'est-à-dire que c'est jamais, voilà, il ne s'agit pas d'indignation militante, il s'agit d'une chose comme ça qui en chasse une autre. Voilà, à 10h30, c'est une déclaration d'un ministre. À midi, c'est l'annonce d'une catastrophe écologique. En début d'après-midi, c'est un artiste qu'on déteste qui a reçu un prix. Enfin, etc., etc. Donc toutes ces choses-là qui finissent par donner comme ça une espèce de catalogue d'idées ou un catalogue de positions. Qui au fond nous ramène toujours à nous-mêmes, nous ramène au fond à l'identité que nous croyons raconter et fabriquer avec cette espèce de tissage comme ça d'indignation. C'est dans cette perspective-là, si vous voulez, que j'en parle, ou dans cet horizon-là. Mais il va de soi que, pris du point de vue de la colère, c'est-à-dire du point de vue de l'explosion, au fond, de la sortie de soi, et non pas d'une trajectoire centripète, du point de vue d'une trajectoire centrifuge, c'est tout à fait autre chose. Là, on est vraiment dans pollinize. On est dans la pollinisation de quelque chose, c'est-à-dire dans effectivement des mots qui se mettent à se distribuer, à s'échanger, à circuler, et qui sont évidemment possiblement vecteurs de transformation. Mais à nouveau, cette transformation, elle aussi, a besoin d'équipements. Et la question est, quels équipements va-t-on choisir pour avancer vers cette transformation possible, pour avancer vers une expérimentation qui soit aussi une expérimentation mentale, une expérimentation théorique, une expérimentation verbalisée, argumentée voilà. Et voilà. Et là les choses sont différentes, je crois. Mais donc je suis absolument d'accord. Il y a un appel. Simplement, cet appel est tué dans l'œuf. C'est comme les algorithmes, vous voyez, des réseaux sociaux qui favorisent un certain type d'échange ou un certain type d'attraction. Ben, c'est la même chose d'une certaine manière avec les algorithmes mentaux, les algorithmes théoriques ou philosophiques ou métaphysiques ou nommez-les comme vous voulez, qui sont les nôtres et qu'on apprend et qu'il s'agit de désapprendre pour pouvoir justement accueillir cette dimension d'appel à la communication dont parle très justement cette madame. Voilà. Oui, je t'en prie, reçu. Voilà. Et, oui, il y a cette idée aussi dans l'effet de Echo Chamber, qui s'appelle ce côté un peu de boucle négantropique de soi-même, de rester entre soi comme ça, et de les réseaux sociaux, et ou des idées que se valident par elles-mêmes, par des autres gens qui pensent comme nous et tout ça. Et comment sortir de là, faire exploser ça, et pas que par la colère. D'ailleurs, parfois, s'il faut, par la colère, pourquoi pas. Mais d'autres façons aussi. Donc l'idée de polliniser, c'est polliniser, c'est pas coloniser. C'est pas pareil la colonisation que la pollinisation. C'est-à-dire, tu donnes une idée, tu offres. Comme on offre, les plantes offrent ces organes sexuels, comme ces feuilles, tout au vent, à l'air. Tous les pollens, il est donné à l'air. Ils ne sont pas en train de contrôler où il va son pollen et jusqu'à où il va se poser pour produire une autre nana. Non, il le donne. Il produit des milliers, quoi. Donc, plus comme le partage d'idées, le partage des visions et des envies et des élans de vie ou des résistances pour la question de aussi de la sortir des systèmes un peu oppressifs. C'est plutôt comme des mouvements dans lesquels ils vont proposer à cette ouverture, mais pas en colonisant, en disant voilà, il faudrait que toi tu penses comme ça, ou que mon idée il va exactement là et qu'il se produise là et qu'il se reproduit comme ça et que machin, mais dans un élan qui fait justement casser ces algorithmes de boucles fermées. C'est un peu flou, mais un peu hippie, mais voilà, je pense qu'on est dans une période tellement compliquée pour tout le monde. Déjà, juste pour la comprendre rationnellement, ça nous fait disjoncter la raison, cette période, déjà, toute la période. Donc, c'est trop dur de se tenir et du coup, on a trop peur et on s'attache à des trucs un peu, voilà, de vieilles choses qui restent là, toi, comme l'identité, le machin, l'état. Et du coup,
Déjà, il se dit lâcher prise, ce n'est pas se laisser avoir, mais ne pas se faire avoir surtout par la peur, quoi. C'est ça qui se propose un peu. Un dernier mot qui vient là encore du public. On vous demande qu'est-ce que cette rencontre mutuelle a produit chez vous? Voilà, est-ce que ça a fait naître des idées d'un futur spectacle, un prochain livre? Je vous laisse répondre à cette question. Les rencontres, par définition, elles font naître ce qu'elles ont à faire naître après. C'est-à-dire, si on savait maintenant ce qu'elles. Comment dirais-je, si elle était programmée, notre rencontre, au sens le plus fort, je crois qu'elle s'éteindrait. Je pense que le plus important, c'est le mot d'ailleurs que Rossio a utilisé très souvent, c'est du désir. On peut appeler ça désir ou de l'appétit ou de voilà. Donc moi je crois que ça a suscité chez moi du désir, voilà. Et après ce que ce désir va donner, quelle forme il va prendre matériellement, c'est impossible de le savoir, mais peut-être rien, mais peut-être que ce rien sera un rien très important pour elle, pour moi, voilà. Moi, j'ai un projet très défini. Je pensais écrire toute une autre vie inventée de Laurent de Souter, dans laquelle je reprends sa biographie dès la naissance et je la réinvente jusqu'à son après-mort. C'est mon très projet. Beau projet. C'est un projet 2023. Donc, d'ici là, je peux changer d'idée plein fois. Sinon, j'ai pensé. Ça finit comment, je peux savoir? Sinon, j'ai pensé aussi, écrire un manuel de survie 2020. En collaboration et avec des conseils de Laurent de Souter. Comment survivre en 2020, Manuel, ouais. Guide. Je pense que ce sera un peu suicidaire, non? Il y aura un chapitre sur le suicide, il y aura forcément un chapitre sur le suicide. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que n'était pas, c'était une rencontre ouverte, dans le sens que on s'est promené dans des idées, on s'est promené dans des mots, dans des choses comme ça, et on n'était pas non plus goal-oriented tout le temps, du début à la fin, et ça permet qu'il y a des connexions autres qui s'opèrent, quoi, qui restent plus larges. Donc eh bien, merci infiniment à tous les deux. Merci également aux deux artistes qui ont collaboré sur ce film, Polynice, donc je les recite, Patrick Kuo, Aini Wang. Merci à notre partenaire le 104 qui nous accompagne sur ce projet depuis le début, José Manuel Gonsalves et toute son équipe. Merci donc à vous tous. J'ai un mot également pour les équipes de l'ADN qui travaillent sur ce projet. Merci à toutes, merci à tous. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver dès jeudi prochain, le 19 novembre à 19h, en compagnie du chorégraphe Rachidou Ramdam et de la chamane Céline D'Artagnan. Vous recevrez une invitation dès demain par email. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour vos réactions et je vous souhaite une excellente soirée.